Salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour l'épisode 23 et peut-être dernier sur Marvel Avengers. Dans la dernière vidéo, les Avengers se sont rassemblés pour aller à Manhattan secourir les inhumains qui étaient traqués par l'AIM. Un gros vaisseau sillonnait un petit peu la ville pour tuer tout simplement des inhumains. Les Avengers ont réussi à détruire ce vaisseau. Et là, donc, pour empêcher l'AIM de tuer tous les inhumains, les Avengers doivent retourner à San Francisco et trouver la source du signal du vaisseau de guerre. Donc, souvenez-vous, San Francisco, c'est la ville du tout début qui a été frappée par la catastrophe du Hayday. Et depuis le Hayday, donc, 5 ans, du coup, se sont écoulés. Et depuis 5 ans, eh bien, des choses se passaient dans les ruines où... on va dire l'endroit où se trouve San Francisco, puisque l'AIM a fait des expériences ou essayer de ramener différents fragments de tyrigène ou de créer un tyrigène au même endroit. Et donc les Avengers se sont rassemblés pour arrêter tout ça tout simplement. Et ils sont avec des toutes nouvelles tenues. Donc c'est grâce à tous les composants que nous avons récupérés à travers le globe que Tony a pu faire ses costumes. Ah bah d'accord, ça commence bien. Alors courez sur une zone d'antigravité pour vous propulser dans les airs. Ok. Donc pour le moment... pour l'AIM. Enfin, 3 points. Calme-toi, Stark. Eh, réponse. Il y a des gens qui ont pas un millier d'années devant eux pour casser des trucs. Oh, tu lui as manqué, Thor. Je me souviens de ces moments passés tous ensemble comme si c'était hier. Toujours à faire des blagues de papa, bien. Ah oui. C'est vrai que... on pouvait... courir sur les murs avec Captain America. Ah d'accord. Allez, réanime mon pote. Oh sérieusement là quand même, j'ai plus le temps là. Ah, allez, mais... vas-y mon frère là, mais c'est quoi ce délire? Ah, c'est chaud quand même, hein. La partie est finie, George. Je vous tiens. D'optimiste jusqu'à la fin. Vous allez mourir le sourire aux lèvres. Avengers, avec moi. Ils auraient bien voulu un monstre plein de rayons gamma dans leur camp. Bah, ils en ont un.
L'abomination ? Mais il n'a pas été entraîné en interne. Et c'était une erreur, George. Ne m'appelez pas comme ça. George a échoué. Madoc, non. On ne peut pas guérir de ça, ou de ce qu'on est devenu. Que voulez-vous dire? Le pouvoir ne peut être contrôlé. Je le sais maintenant. Nous devons le détruire. Non. Notre sacrifice restera dans l'histoire, Captain. Je crois que tout le monde a entendu. On va aller s'occuper de cette tour. Et de sa tête. Je te suis. Moi aussi. Très bien. On peut pas atteindre le dernier transmetteur dans le Quinjet. Y a trop de tirs. On s'en occupe. La porte devant nous mène à la base du transmetteur. Je vais suivre Hulk. Et essayer de ne pas me tuer en tombant. Bonne idée. Juste une seconde. J'accède au système. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a récolté. Ah, on a un point de compétence, on va aller voir ça. Ça. Ah, je savais pas ça. D'accord. Bon. Très très bien. Bon, ça forcément on pouvait pas le deviner, mais on peut pas atteindre le dernier transmetteur dans le Quinjet. Y a trop de tirs. On s'en occupe. La porte devant nous mène à la base du transmetteur. Je vais suivre Hulk. Et essayer de ne pas me tuer en tombant. Bonne idée. Juste une seconde. J'accède au système. Ok. Ah, blocage du bouclier. Maintenez R2. Pour bloquer les attaques ennemies, le bouclier de Captain America absorbe toutes les attaques jusqu'à ce que sa jauge de blocage intrinsèque soit épuisée. Les attaques ennemies avec un indicateur rouge ne peuvent pas être bloquées. Faut ouvrir cette porte. M'en charge. Surveillez les générateurs du champ de force. S'ils virent jaune, détruisez-les. Qui est le Capitaine Rogers? Sans lui, ils sont perdus. Hé, je crois que j'ai compris ce qu'il vient de dire. Oh, 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 oui. Gamine qui t'écoute, c'est rigolo sur les affaires. C'est inutile, père. Vous menez les vôtres à leur perte, comme ils vous ont mené à la vôtre autrefois. Et pourquoi? Aucun de vos précieux fans ne saura comment cette mort tourne. Waouh! Il maîtrise bien l'art du monologue de méchant, vous trouvez pas? 5 ans d'entraînement. Elle commence à te ressembler, Stark. On y travaille. Jetpack aujourd'hui, vous aussi?
Il me rappelle une autre armure volante. Oh, c'est pas très gentil de parler de Thor comme ça. J'arrive pas à croire que je me bats avec les Avengers. Nat, vois aucun générateur du champ de force viré au jaune. Ce sera bientôt le cas près de la porte. Laisse-moi une minute. J'imagine qu'après une sieste de 5 ans, on perd vite patience. Captain attend beaucoup de chacun de nous. Montrons-nous à la hauteur. Enfin quelqu'un qui a la bonne attitude. Ok. Ah! Dur! Allez, viens m'aider, mon pote. J'ai exposé les générateurs du champ de force, Cap. Détruis ce bouclier. Merci, Enat. Ah, ok. Le bouclier a été désactivé. Nat, tu t'en sors avec la porte ? Difficile de pirater et de se battre en même temps. Tu ne t'amuses pas? Vous voyez ce que je vois? Ces adaptoïdes, ils ont des pouvoirs d'inhumains. Je les vois, mais on a une mission. Laisse Cap s'en charger. Ça va, il vient nous aider. C'est la raison qui doit nous animer. Le temps des héros est révolu. La grosse tête est encore en train de bavasser, vraiment? J'ai tout vu et je t'ai trouvé génial. Merci. Ouais, c'était assez génial. Ça serait bien de me laisser réagir quand même un petit peu, non? Sérieusement. Quoi, mais... Mais en fait, toutes mes attaques ne passent jamais. Ah, toujours plus. Avec la porte.
Déploie un coup de main, réponse. Princesse réponse pour toi. J'arrive. Tony, si l'armure tient le coup. C'est ta manière de me demander si j'ai fait du point. Non, pas vu. Hey, tout le monde n'est pas un super soldat. Je tiens le pari. Je préfère garder le silence. Ça serait bien de venir aider un peu, non? Oh, mais sérieusement? Allez, cours, mon frère! Sérieux, il court pas, quoi? C'est quoi son délire? J'avais pas vu qu'il y avait un QTE. Dans une salle qui doit servir à conduire l'électricité. Ah là par contre sûrement on est pour le dernier transmetteur. Là par contre tout on est tout seul là. Cherche des commutateurs. L'AIM doit avoir prévu un moyen de tout désactiver pour la maintenance. Alors attendez, comme d'habitude, on va s'équiper. Par contre là souviens-toi du niveau de sécurité de la prison. L'AIM ne va pas nous les donner si facilement. Mais on peut pas les libérer tant qu'on n'est pas certain que l'AIM ne va pas les gazer à mort. Tony, un peu de tact, s'il te plaît. Oui, désolé, Kamala. Non, t'as raison. Il faut qu'on arrête ce signal. Je m'en charge. Couvrez-moi. Ok. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas entendu les témoignages. Toute cette douleur. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Là-dessus, au moins, on est d'accord. J'ai vu ce qu'il se passait quand les gens au pouvoir décident qui mérite de mourir. Je ne vais pas laisser l'histoire se répéter. Alors, ne nous obligez pas à vivre un autre Eriday. Mais vous et moi ne l'avons pas vécu. Ça fait partie du problème. Dans cette tour.
C'était trop facile. Contrôleur Cap, je vous rejoins dès que j'en ai fini ici. Je ferai de mon mieux. On doit les aider à se rematérialiser pour pouvoir les frapper. Tout va bien de votre côté? La Black Widow a cogné les méchants. Continue comme ça, petit. Pas de problème. Ah. Je crois que j'ai trouvé où ils retiennent les inhumains. On doit rejoindre le complexe central tout de suite. Occupé ici. Ok, question. Demandez à Jarvis de déterminer le meilleur moyen de sortir tous ces gens de là. Merci. Ne remercie pas. C'est ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je suis impressionné, Tony. Mais n'oublie pas de parler à Bruce de mon bref moment de maturité. Ah, bien de tout cacher. Oh là là, c'est ouf! Vas-y, mais putain! Et ah, cette caméra de la mort! C'est chiant, sérieusement! Voilà. Le plus simple, c'est de les faire tomber. Il y a des points de compétence de débloquer. Ah non, mais des fois c'est vraiment c'est vraiment du n'importe quoi quand même. C'est, enfin, là on est clairement sur la fin du jeu, mais je trouve ça quand même assez abusé quand même. Ça c'est quoi? Ouais, attaque à distance, on peut peut-être prendre un truc mieux. Ça, ça avait l'air d'être pas mal. La source d'alimentation du transmetteur est censée être juste au-dessus de toi. Alors on monte. Mais ah oui, non, il y a Thor avec moi alors. Coffre planqué. Voyons voir, protecteur. On peut toujours le mettre. Par contre, non. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Ah.
Ah, il a dû avoir un bug là. Oh là là. Bon, vas-y, c'est pas grave. Attends, on va relancer le dernier point de contrôle, les amis. Parce que là, si j'ai bien suivi l'histoire, il faut détruire les deux trucs de chaque côté. Sauf que vous avez bien vu que là, j'avais beau faire tout et n'importe quoi, ça ne voulait pas. Ah, les sauts, s'il vous plaît. La source d'alimentation du transmetteur est censée être juste au-dessus de toi. Alors on monte. Voilà, ce qui se referme et... Ok, comment faire pour y aller? Ok, donc je croyais que c'était peut-être un truc à faire ici, mais pas du tout. Ok, celui-ci a des faisceaux de guerre. Ok. Oh, attends. Ah! L'esprit l'emporte sur la matière. On dirait que le transmetteur est alimenté par trois noyaux. Élimine ces types. Et je te trouverai un terminal pour ouvrir les boîtiers qui les abritent. Compris. T'en arrives toujours plus. Notre cause est juste. Notre nombre importe. Parents, j'aurais dit le contraire. Comment ça se passe, Cap? Fais un peu de ménage. Ouais, sauf qu'il fait vachement mal et pourquoi je suis tout seul là? Thank you.
terminal. Ouvre les noyaux, puis détruis-les. Et le signal devrait s'interrompre. Et les inhumains survivront. Ah mais ils sont où les noyaux là? Ok, c'était juste là. Allez, on ouvre. Nous pouvons nous en sortir avec toute notre humanité, Captain. Ah, d'accord, ok. Nous n'avons pas la même définition d'humanité. Au cas où il aurait pas remarqué, dans inhumain, il y a humain. Ah, on dirait que le cerveau géant vient de recevoir une bonne leçon d'une simple ado. Chez moi. Ok. Comme ça, on n'aura pas à se battre contre tout le monde. C'était le dernier noyau. La transmission devrait être interrompue. Non, je détecte encore un signal. Il vient du site d'excavation. La signature thermique du Heyday qui a causé les séismes. Quoi qu'il se cache derrière ces murs, MODOK veut pas qu'on le découvre. On a de plus gros problèmes, Cap. Merde! Je rêve ou ils viennent jurer? Merci, Tony. Je suis un peu occupé, là. D'accord. Besoin d'un coup de main? Oui, détruis ces canons. M'en occupe. Moi de même. Bien. Rejoignez-moi ensuite. Mourez, Avenger! Ok, ok, on court. On se casse. Oh non. T'en penses quoi, Cap? Cette balise était sûrement un leurre. Tarleton arrive encore à transmettre. Vous ne parviendrez pas à contenir la vague inévitable du progrès, Avengers. Ça devient de plus en plus bizarre. Qu'est-il arrivé à sa tête? Vous pouvez me ralentir, mais j'ai assez de brume pour recouvrir le monde. Avengers, rien ne peut sortir de la zone de quarantaine. Tony, détruis ces propulseurs. J'ai cru que tu me demanderais jamais. Bon sang, ah, d'accord. George, donc là, tu on tues est... des gens innocents. Pas de Sarglas, Stark. Ça ne vous ressemble pas. Pourrait peut-être détruire ces propulseurs. On va en profiter. Attendez, attendez, attendez. On a des trucs. Est-ce que on peut aller rechercher peut-être pas en fait. Ah non, on peut pas aller rechercher ce qui nous manquait en fait. Je crois pas. Bon, bah tant pis. Ouais, 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 ouais.
On va recharger. Ça risque d'être quand même assez long. Non mais qu'est-ce qu'il me fait là? Mais il est toujours en train de se... Voilà. Mais ça ne changera rien. Les inhumains sont un fléau pour notre monde. Ok, on le relaie. Déployez vous tous. Ah là, je pense qu'on va tour à tour incarner tous les. Avec votre sang, Capitaine Rogers. Tous les Avengers. Ouais. Elle m'a transformé en ce que je hais le plus au monde. Et je mourrai avec eux. D'accord. Pour le bien de tous. J'ai le droit de... Le truc dans son dos produit beaucoup d'énergie. Peut-être que si tu détruisais son propulseur principal... Bien vu. Ça pourrait... Ah ouais, mais... Non mais il se tourne jamais dans le bon sens, sérieux, là. C'est chiant. Non mais non, faut arrêter les conneries. D'où je peux jamais aller dans son dos là. Ah, y a pas besoin. Ça, ça peut faire mal.
la source d'énergie. Ça va être long. Non, 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 mais vas-y, roule. Enfin, cours plutôt. Rapide. Et voilà. Il est à terre. Rassemblement. Non, pas encore. Nat, à toi. Je suis juste derrière. Bon sang. Il nous faut plus d'options. Hé, me voilà. Il sera assez puissant, frappe-le. Son bouclier tombera, j'ai compris. Ok, on va s'arrêter ici pour être sûr de ne rien louper pour vous les amis. Suite et probablement fin du combat final contre Moloch du coup. On se retrouve très très bientôt pour la suite et la fin. Pensez à vous abonner, à activer les notifications. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à aller voir les autres let's play présents sur la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt. Salut !